Abezat Hashem, la Gemara ce matin, Baba Batra 164b. Aou mekushar da'ata le kame de Rebi, v'amar Rebi en zman baze, amar le Rabbi Shimon bar Rebi, le Rebi, shem ben ksharav mouvla, palye vechazye. Ada chaza Rebi bishut, amar le lavana katvite, Rabbi Yehuda chayta katavte, amar le kalach milashon ara aze. Il y a un guet qu'on appelle guet mekushar. Ça ne se fait plus aujourd'hui. Mais c'est un guet qui est fait spécialement pour le Kohanim. Qui veut dire un homme qui divorce sa femme. Tant qu'elle ne s'est pas mariée, même si Has Veshalom, elle a fréquenté un homme, mais elle ne s'est pas mariée avec lui, il peut la reprendre. Tant qu'elle ne s'est pas mariée la femme, il peut reprendre sa femme. Alors ils ont fait un guet. Kadin, Kadat ve Kadin, comme il faut. Et après, ils reprennent ensemble. Pas de problème. Un Kohen, s'il divorce sa femme, même après 5 minutes, il dit « Je regrette, c'est fini. » Il ne peut plus reprendre sa femme. La Gemara nous dit, le Kohanim, ils ont un certain tempérament qui est très dur un peu. Ils sont toujours bécasses, ils sont toujours en colère et ils s'énervent vite. C'est leur caractère. C'est des gens qui ont un bon cœur parce que ils aiment Am Israël, ils aiment nous bénir, mais ils ont un caractère. Alors, puisque ça peut causer un problème, alors dans ce cas, Chachamim, ils ont instauré un guet spécial pour le Kohen. Un guet, normalement, si tu regardes aujourd'hui dans Bedin, un morceau de papier, le Kohen avec une plume, avec un encre, il écrit en 25 minutes, il y en a qui l'écrivent en 20 minutes, il écrit son guet sur un bout de papier. Le Kohanim, on leur a instauré Get Mekushar. Qu'est-ce que c'est Mekushar? À part le bout de papier sur lequel on écrit, il ne pesait pas un papier, il pesait sur le claf, vraiment sur le parchemin. Alors, on ajoute deux couvertures, une en haut et une en bas. Et le Get est au milieu. Et on fait coudre tous les Get. On fait coudre tous les Get. Pourquoi? Ça prend beaucoup plus de temps. Au lieu que ça prend 25 minutes, ça prend 1h30 à 2h pour faire ce Get. Pour donner la chance à ce Kohen de bien réfléchir sur son affaire. Est-ce qu'il veut vraiment divorcer sa femme ou pas? Le entre-temps, tu sais, il est déjà en train de réfléchir, oui, non, et il est en train de compter, si je divorce, je ne pourrai plus la reprendre, il se peut très probablement qu'il reprend sa femme. S'il ne veut pas, il ne veut pas, mais au moins il lui a donné une chance. Ça, c'est Get Mekushar. Il y avait un Get Mekushar, il est venu devant Rebbi. Alors il était cosu, le Get était cosu, comme il se doit. Et Rebbi, il a ouvert un peu le guet, mais il n'a pas vu la date. Il n'a pas vu la date. Il y avait là-bas Rabbi Shimon, son fils. Rabbi Shimon, fils de Rabbi. Il a dit, papa, peut-être la date se trouve à l'intérieur, et, entre le couture, et vous êtes tu peux pas le voir, parce que c'est si tu ouvres toute le couture, tu vas voir. Il a ouvert. Rabbi l'a ouvert. Il a regardé. Il a vu la date. Alors Rebbi, il a fait comme une grimace. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Il a rien dit. Il a rien regardé comme ça, un air comme ça. Rabbi Shimon, son fils, il pensait qu'il s'est énervé contre lui parce qu'il lui a fait la remarque et peut-être la date est dedans. Il dit, non papa, c'est pas moi qui l'a écrit ça. C'est pas moi qui a écrit. C'est Rabbi Yaakov Hayata. Rabbi Yaakov le Hayat qui l'a écrit ça. Alors Rebbi dit, mais tu veux arrêter avec ton Lashon Hara? Pourquoi tu me parles Lashon Hara? Pourquoi? Ça veut dire que le sofer, il a éloigné un peu la date. Alors, la date était de côté de couture. Il fallait qu'il la déplace un peu. Mais c'est pas grave, le guet est kasher quand même. Alors, Rabbi Shimon est en train de dire, c'est pas moi qui l'a écrit, c'est Rabbi... Qui c'est qui t'a demandé qui a écrit? Je t'ai pas demandé ça. Okay? Et d'ailleurs, c'est une halakha dans le livre de Hafetz Chaim. Si quelqu'un te demande, est-ce que tu as fait ça? Okay? Tu ne dis pas, non, c'est Reuven qui a fait ça, c'est Shimon qui a fait ça. Si tu dis ça, c'est la Lashon Hara. Tu as besoin de répondre à la question seulement, non, c'est pas moi qui l'a fait. C'est tout. Même si tu sais qui l'a fait, tu n'as pas le droit de le répéter. Parce que c'est la Lashon Hara. Okay? Alors Rebbi lui dit, arrête avec ton Lashon Hara. Pourquoi tu te parles la Lashon Hara? Je ne t'ai pas demandé qui c'est qu'elle a écrit. La Gemara nous raconte une autre histoire avec Rebbi et son fils. La Gemara dit qu'un jour, Rebbi était assis. Il est en train de lire un livre de Tehillim écrit sur un parchemin. Vous savez que la plus grande mitzvah, quelqu'un, il voulait offrir à une femme, à sa femme. Quelqu'un voulait offrir à sa femme un livre.
Mais quel livre tu peux offrir à une femme? Top, Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a beaucoup de livres que tu peux offrir aux femmes, lire et tout ça. Mais lui, il voulait vraiment quelque chose de spécial. Il avait beaucoup de moyens. Alors, il est parti demander à un rabbin, à Bnei Brak. Il dit, quel livre je peux offrir à ma femme? Il dit, vraiment, tu aimes ta femme? Il dit, oui. Vraiment, tu veux lui faire plaisir? Il dit, oui. Tu lui achètes un Tehilim écrit sur un parchemin. Pas un livre de Tehilim imprimé. Un livre de Tehilim écrit sur le parchemin. Regardez, les Ashkenaz, les livres d'Aftarot, c'est pas comme les Sepharad. Les Sepharad, les livres d'Aftarot, ils sont imprimés. Okay? Et là-dessus, il y a une question même. Le Magen Avraham, il dit que le livre d'Aftarot devrait être tous les livres de Tanakh ensemble. Il dit, si c'est rien qu'un livre d'Aftara, où on te met rien que de morceaux d'Aftara, il n'est pas caché. Et c'est pour ça qu'il y en a que, ils disent que c'est mieux de lire l'Aftara d'un livre de Tanakh. Tanakh, ça veut dire tout le livre, Torah, Neviim, Ktubim, ensemble, et tu lis le passage qu'il faut lire. C'est un peu plus difficile parce qu'il faut que tu repères le passage. Ce n'est pas comme un livre d'Aftara ou rien que le morceau de l'Aftara. L'Aftara, c'est des morceaux de chapitres. Donc, les Ashkenaz, ils ont deux Echal. Un Echal pour le Sefer Torah, deuxième Echal pour le livre d'Aftarot, qui sont écrits sur un parchemin. Alors, le Shabbat, ce n'est pas le personne monte à l'Aftara, mais c'est le Hazan qui est l'Aftara, parce que c'est écrit 100 points comme un Sefer Torah. C'est écrit sur un parchemin. 100 points comme un Sefer Torah. Alors, ils ont le livre d'Isaïe, ils ont le livre d'Irmiaou, ils ont le livre de Hezkel, ils ont tous ces livres. Et chaque Shabbat, ils sortent un livre. C'est carrément comme un Sefer Torah. Et c'est plus petit et ils lisent dedans. Et le Hazan, il sait où lire et comment lire avec Ta'amim. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait lire sans le Ta'amim de l'homme. Alors, maintenant, cette personne-là, il voulait offrir cadeau à sa femme. Le rabbin lui a dit, offre-lui un Tehilim écrit sur un parchemin. C'est le meilleur cadeau que tu peux donner à quelqu'un. Top. Rabbi, il est en train de lire dans un livre comme ça, Tehilim sur un parchemin. Et il est en train, son fils est à côté de lui, Rabbi Shimon est à côté de lui, il est en train de dire, Kama Meyushar Ktavze, waouh, j'ai jamais vu un livre écrit sur un parchemin aussi droit, que les lignes sont aussi droites. Parce que des fois, il y a des lettres, ils sont un peu en bas, un peu en haut, pas égal. Il a dit, j'ai jamais vu une précision comme ça. Alors il lui dit, à son fils Rabbi Shimon, papa, c'est Rabbi Yehuda Hayata qui l'a écrit. Rabbi lui dit, mais je ne t'ai pas dit d'arrêter avec le Shonara. Pourquoi tu parles Shonara toujours? Arrête avec ton Shonara. Alors Agmara dit, quelle Shonara? Oui, le premier cas, c'était la Shonara. Il lui a dit, qui c'est qui a écrit ce guet? Il dit, pas moi, c'est Rabbi Yehuda Hayata. Je t'ai pas demandé qui l'a écrit, c'est la Shonara. Mais ici, il est en train de lui donner une louange. Il dit, waouh, j'ai pas vu un livre écrit si beau, si méticuleux et tout ça. Et il lui dit, non, papa, c'est pas moi qui l'a écrit, c'est Rabbi Yehuda Hayata. Okay? Il dit, arrête la Shonara. Quelle Shonara? Il est en train de donner une louange. Non, dit la Gemara, tu comprends pas quelque chose. Quand tu parles trop bien de quelqu'un, c'est qu'est-ce qui ça va arriver? Après, tu vas dire, mais il a fait ça, mais il est comme ça, mais il pense comme ça, tu comprends? Tu parles trop et après ça va venir à la Shonara. Il dit, alors il lui a arrêté, Rabbi, pourquoi il dit à la Shonara? Il dit, ok, arrête-toi là. Oui, ok, c'est Rabbi Yehuda Hayata, j'ai compris, mais arrête-toi là, ne continue pas, parce qu'après tu vas me dire, quoi, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ah papa, hier tu te rappelles le guet qu'il a écrit, hein? Alors c'est pour ça qu'il ne voulait pas continuer, il dit, arrête, tu arrêtes là. Tu vas pas plus loin que ça pour que ça soit, ça vient pas la Shonara. Donc voilà, Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen.